tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une partie des jeux que j'ai emportés avec moi et qui ne sont pas sur le thème de la mer, pour vous les remontrer comme ça. Voilà, un petit vlog des jeux que j'ai emportés. Donc, j'ai emporté évidemment l'oracle de Provence de Christelle Ponzvial, qui lui n'est pas entièrement sur le thème de la mer. Donc il arrive dans une boîte comme ceci, cartonnée, toute simple. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, mais c'est Christelle qui vous le vend. Donc plutôt que de faire un site, etc., elle a préféré le mettre sur Amazon, tout simplement. Mais c'est elle qui vous l'envoie. Donc, ou d'avoir une boutique sur Etsy, elle a préféré mettre là. Alors, il est sublime ce jeu, il est magnifique. Bien sûr, on a quand même des paysages de mer, c'est logique, mais pas que. Voilà, comme vous voyez, là on a les gorges du Verdon, si je ne me trompe pas. Alors, oui, gorge du Verdon, parce que derrière, on a le lieu, donc par exemple ici, Église Saint-Sauveur à Aix-en-Provence. Et puis, on a des mots-clés. Recueillement, lumière et humilité, amour inconditionnel et quête. Voilà. Donc, c'est bien fait. Il n'y a pas de petit carnet. Mais vous voyez, vous avez le lieu. Vous avez des mots-clés au dos. Et de l'autre côté, vous avez la magnifique aquarelle de Christelle. Donc ça, c'est maintenant devenu un incontournable pour moi quand je pars en vacances. En tout cas, quand je pars ici. Bon, normalement, mes vacances, c'est toujours ici. Ensuite, petit nœud normand, j'ai emporté celui-ci. J'ai déjà pas mal utilisé. Parce que je trouve que, donc c'est le Magiche le Normand de Sandy Fut. Fuchs et Gabriele Böttner. Parce que je trouve qu'il est très clair à lire et que ses coloris font totalement été. Voilà. Donc, et j'en voulais un facile à lire parce que j'essaie de me faire le plus régulièrement possible un chien de pique pour la journée. Pour un petit peu prédire les événements. Comme ça, je me mets un peu au prédictif. Je vais un peu voir ce que ça donne. C'est pas tout à fait mon truc. Je préfère la guidance. Mais voilà, c'est une occasion de tester. Et comme j'ai l'habitude de le faire rapidement, parce que quand je fais ça avant de partir travailler, il faut pas que ça dure un quart d'heure. Hein. J'ai pas un quart d'heure. Donc, il ne faut pas que je doive réfléchir sur les symboles et il ne faut pas non plus que je me trompe. Alors, j'ai pris avec moi le Mirror et le Yarn de Mama Shamana parce que c'est des jeux que j'adore et qui permettent de faire des tirages en profondeur. Alors, je ne les ai pas encore utilisés. Je verrai bien si je les utilise ou pas. Parce que, voilà. Vous vous doutez bien que je n'utiliserai pas tout ce que j'avais pris avec moi, mais j'aime bien d'avoir le choix. Voilà, j'adore absolument les illustrations de ces jeux. Donc, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de numéro. Par contre, on a un deuxième paquet de cartes. Il est extrêmement parlant. Bon, je me perds un peu là. Donc, je disais, il y a un deuxième paquet de cartes avec des petits textes qu'on peut accompagner si on veut un texte, mais c'est en anglais. Alors, je l'avais déjà dit par contre dans une autre vidéo et je vous montrerai une fois ce que ça donne. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire ce vlog. C'est que on peut utiliser un petit oracle. Donc là, il en existe en français et eh bien, on peut très bien le combiner avec les cartes. Si on ne veut pas
celui-ci. On peut aussi traduire les cartes, c'est pas... voilà. Il faudrait peut-être même un jour que je m'y mette à les traduire. Et puis, même me refaire des petites cartes, en fait, hein, pourquoi pas, avec la traduction. Parce que c'est très... il n'y a pas grand-chose à traduire. Ou alors, traduire à chaque fois. Et donc, celui-ci, il est dans le même style. Et c'est pareil, on a aussi des petites cartes en anglais. Voilà. Pour l'accompagner, si on veut. Et donc, voici le genre d'illustration. C'est le même genre. Ce sont les mêmes personnes qui ont créé et illustré les deux. Et bon, j'avais tellement adoré le Mirror que j'ai acheté en premier. Que quand j'ai eu l'occasion, j'ai racheté le Yarn. Parce que... Ils sont magnifiques, ces jeux. Tellement parlants. Et vous avez une petite explication sur comment les utiliser en français, par contre. Donc, il y en a une en anglais et il y en a une en français. Donc, voilà. Vous n'êtes quand même pas laissé tout seul, on va dire. Ensuite, j'ai pris le Folarcostaro de Carmen Sorrenti. Donc, on a un tout petit livret comme ceci. Voilà. Mais bon, après, ça suffit, je trouve, pour donner un petit peu la vision de l'auteur. Et puis, voici les cartes. Alors, il faut aimer. C'est assez spécial comme jeu, comme tarot. Moi, j'aime bien. Je le trouve excessivement... parlant, il y a énormément de détails. Mais voilà, il faut aimer. Et c'est pas un tarot pour débutants, bon, celui qui a regardé un petit peu les significations du Rider ou du Marseille et puis qui prend ça, il s'y retrouve pas. Ou celui qui a acheté un petit cahier de vacances et qui prend ce jeu-là pour accompagner, c'est clair qu'il comprend pas. Ah ben non, elle était à l'endroit... C'est le pendu. Lol. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Mais j'aime bien. Après, c'est un jeu que j'utilise pour faire du travail personnel. Peut-être de la guidance, mais on va dire, en tout cas, là, personnel. Pour moi qui a trait à des événements de ma vie, pas une petite guidance. Oh, je pourrais le faire pour une petite guidance du jour si je veux quand même avoir un peu ce à quoi faire attention à ma journée, mais pas pour des événements, pas pour connaître ce qui va se passer. Alors, comme tarot, j'ai pris aussi le Moana Dream Tarot de Nat Jeltaina. On l'avait passé quand il est sorti, ce jeu. Moi, je n'avais pas de chaîne à l'époque. Maintenant, je trouve qu'on le voit plus jamais. Et je trouve qu'il a une énergie très été. Et même, je veux dire, très vacances. Donc, moi, je m'étais fait un petit pense-bête pour les suites. Et là, je me rappelle que je devais finir de le compléter et que je ne l'ai pas fait. Il faut que je reprenne le PDF, en fait. Parce qu'il n'y a pas de livret, mais Nat a envoyé un énorme PDF. Il y a de quoi faire, il y a de quoi lire. Elle a bien, bien, bien tout détaillé, mais voilà. Regardez, parce qu'il y a la sirène, par exemple. Quand je vous dis qu'il fait été, mais pas que, hein. Regardez, là, on a la plage. Puis les coloris font été. Je trouve que les coloris font très, très, très été. Regardez, la lune, on dirait qu'elle est aussi au bord de la plage. Enfin, sur la plage. Au bord de la mer, je voulais dire, plutôt. Voilà.
Je le trouve vraiment avec une énergie très... Et il y a des cartes bonus aussi. Et il y a plusieurs cartes alternatives. Et moi, je laisse tout dedans. Et bon, celui-ci, il n'est plus disponible. Je pense qu'elle n'a fait qu'une seule édition. Et je ne sais pas si elle en refera. Donc, je suis contente de l'avoir parce que j'aurais pas pu l'avoir en fait. Et c'est vraiment un beau tarot pour l'été. Il est vraiment très très chouette pour l'été. Voilà, pas que pour les vacances, hein, mais vraiment pour l'été. Donc, il y a 83 cartes en fait. Parce qu'il y a, je vous dis, des cartes bonus et des cartes alternatives. Alors, j'ai pris aussi avec moi le Shine from the Inside de Brittany Carmichael, parce que j'aime bien d'avoir quand même un jeu ou deux. Donc, on a un beau petit livret comme ça, tout en couleur. Il est splendide ce jeu. Il est d'une qualité. Alors, par contre, il faut se méfier parce qu'il y a énormément de contrefaçons. Vous voyez, la boîte, elle est en dur, elle est toute décorée. Bon, avec les frais d'envoi, il n'est pas donné par contre. Hein. Malheureusement, le jeu est vraiment à un prix abordable, mais elle est en Angleterre, je pense, et les frais d'envoi sont assez élevés. C'est dommage parce que, je veux dire, si on habitait en Angleterre, il reviendrait vraiment pas cher ce jeu. Alors, on a des tranches argentées holographiques, le dos est sublime, les cartes sont mates, mais elles glissent. Et alors, qu'est-ce qu'il est doux! Qu'est-ce qu'il est zen, ce jeu. Et bon, j'ai toujours quelques jeux comme ça avec moi. Je ne peux pas partir sans avoir un jeu ou deux comme ça avec moi qui sont des jeux pour se faire du bien, tout doux. Je m'en sers pas toujours nécessairement parce que souvent en vacances, ça va, on se sent bien. On n'a pas trop besoin, mais des fois... Je m'en sers quand je fais des grands tirages où je double ou triple les cartes et que je prends plusieurs jeux parce que ça donne des éclairages, mais le truc, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Alors, tant qu'à faire, je pense que vous ne l'avez encore jamais vu sur ma chaîne, le Lightseer's Tarot. Je trouve aussi qu'il fait très été et comme... Il va être édité. Bon, vous n'aurez pas cette édition-là, parce que moi, je l'avais acheté quand il est sorti chez Arcana Sacra. J'avais repéré ce tarot en anglais à cause d'une discussion sur une page Facebook de cartomancie à propos de la carte du diable, où tout le monde disait « Oh, ce diable-là, je me laisserai bien faire ». Et en fait, donc j'avais vu ça, mais je n'avais pas noté le nom du tarot. Parce que j'ai dit que je regarderais ça après. Enfin, je veux dire, sur le moment même, je n'avais pas noté. Et je n'ai jamais retrouvé le poste. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Et donc, je ne savais pas de quel tarot elle venait. Et j'ai cherché pendant longtemps, 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 longtemps. Jusqu'à ce que celui-ci soit annoncé en français et où je retrouvais ma fameuse carte du diable. Et donc, je me suis empressée de le précommander parce que par contre, j'avais vu des visuels. Donc, avec un très beau livre tout en couleur en français. J'espère qu'il y aura le même livre parce qu'il va sortir chez Exergue, si je ne me trompe pas. Donc, il est très bien fait. On a des concepts clés. Moi, j'aime bien les concepts clés plutôt que simplement des mots clés parce que c'est à la fois plus précis et à la fois ça ouvre plus les interprétations, je trouve. Alors, il y a la vision de l'ombre, il y a la vision de la carte. Elle décrit un petit peu ce qu'elle a voulu y mettre. Et puis, il y a le message de la carte et il y a encore une affirmation. Donc, le livre est vraiment excessivement bien fait. Puis il est joli. C'est du papier glacé. Donc, c'est très beau. Après, moi, le papier glacé, je ne suis pas hyper fan. Je trouve que les doigts collent très vite.
Même que je me lave les mains avant de me servir de mes jeux, mais quand même. Et donc, on a le tarot dans cette jolie petite boîte. Donc, il est excessivement coloré. Donc, pour l'été, il est magnifique, ce jeu. Alors, s'il y en a sur la chaîne qui ne connaissent pas ce jeu et qui voudraient le voir entièrement, éventuellement, avant de l'acheter ou de le précommander chez Exergue, dites-le moi. Je vous ferai une review complète. Là, je vais juste... voilà, je vous montre rapidement les cartes. Mais comme ça, vous aurez l'occasion, si vous voulez, de le voir. Donc ça, c'est vraiment tout à fait possible. Voilà le fameux diable. Regardez-moi ça. Bon. Comme on disait, on se laisserait bien faire. Par un comme ça. Il est quand même moins effrayant que celui du Marseille ou même du Rider-Waite. Faut avouer. Et je trouve que c'est bien parce que, comment vous dire, justement, souvent, le diable n'a pas l'air de ce qu'il a l'air. Parce que je pense que si le diable était toujours comme celui du Marseille ou du Rider, on se laisserait beaucoup moins souvent prendre à son jeu. Donc, je trouve que c'est très très bien d'avoir mis ça. Voilà, j'en suis à 17 minutes. Je vais le laisser comme ça. Je vous ferai encore d'autres présentations donc, dans les jours à venir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si mon contenu vous plaît, bien entendu, on approche des 500. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.